Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel appareil, une nouveauté, le Milestone 312 de chez Bonn, le Milestone 312 Ace. Comme d'habitude, l'appareil est dans son carton. On va faire le déballage ensemble, voir un petit peu ce que l'on a de livré avec l'appareil. Un lecteur enregistreur MP3 Daisy Radio, lecteur RFID, donc on va pouvoir faire beaucoup de choses, un agenda en option, mais pour l'instant c'est l'heure du déballage. Alors comme d'habitude, on a le carton sur le bureau, on va l'ouvrir, on lève simplement le dessus du carton. De suite, on rencontre la notice de l'appareil, donc un bouquin classique. Ensuite, on a plusieurs compartiments. On a un compartiment droite-gauche. Celui de gauche commence par la petite sacoche du Milestone. Donc une petite sacoche en cuir qui permet en fait de le protéger. Je vous la montre de près. Ensuite, si on part à droite, on a donc la connectique, la prise murale pour charger l'appareil qui est en fait avec une petite prise USB et à l'opposé, une prise murale. Au centre, on a donc notre appareil qui est protégé dans une housse molletonnée. Voilà, donc je le sors actuellement de l'appareil. Et voilà donc notre Milestone 312 Ace. Alors on peut en avoir de plusieurs couleurs. Celui-ci est noir avec donc ses boutons. Je vous le montre de très près. Alors, l'avantage du Milestone 312 Ace, c'est qu'il est très simple d'utilisation. On a 4 boutons en forme de flèche. Au centre, un bouton très lisse qui va permettre la validation, le lancement de lecture. Donc, on a à sa droite et à sa gauche, flèche droite, flèche gauche. Et en haut, un bouton sur la navigation. En bas, un bouton pour aller dans les paramètres. On va voir après dans l'explication de l'appareil. Et juste au-dessus, on a la connectique. Alors, je vous le mets très près pour charger justement l'appareil. Un petit bouton de navigation pour justement naviguer dans les différentes applications que l'on va trouver dans l'appareil. Puisque dans cet appareil, on a de la mémoire interne et de la mémoire externe sur carte SD que je montre ici, en gros, sur l'écran. La carte SD se trouve sur le côté droit de l'appareil lorsqu'on l'a face à soi. Sur le côté droit, on appuie et la carte SD s'extrait toute seule. Rien d'autre à faire, il n'y a pas besoin de petites pinces, quoi que ce soit. Ensuite, on va continuer pour dire qu'il est très très simple. Dessous l'appareil, on a la prise casque et par derrière, la possibilité de glisser une dragonne pour avoir l'appareil à son cou. Le très gros avantage de ce Milestone, c'est son haut-parleur. Un très gros haut-parleur de très bonne qualité. Vraiment quelque chose de très bon. Je vous le montre de très près sur l'écran. Voilà. Les boutons sont repérés via du tactile. On va continuer à regarder ce qui nous est proposé dans la boîte. On a donc, c'est une option, le speak out. Donc qui va nous permettre en fait de mettre par exemple dans des sacs de congélation et de pouvoir étiqueter vocalement cette carte par exemple. Alors vous les avez par défaut, vous avez 3 solutions. Voilà, donc ces étiquettes autocollantes ou ce petit bouton qui va permettre, on va poser des étiquettes vocales que l'on pourra mettre sur des vêtements, qu'on pourra mettre dans le frigo, dans le congélateur, sur des articles comme des boîtes de conserve pour les étiquettes vocales autocollant et avoir des repères. Donc vous avez en plus en livraison 3 petites RFID
qui vont vous permettre de faire des tests. On passe maintenant sur le dessus des compartiments que je vous ai parlé tout à l'heure en début de boîte. Donc on est de suite sur le côté droit. On a donc une petite dragonne, d'accord, comme tout à l'heure je disais, pour mettre autour du cou. Et enfin, un câble USB qui va nous permettre de connecter notre appareil sur un Mac ou sur un PC sous Windows et pouvoir faire de l'échange de fichiers MP3, des fichiers docs, puisque l'appareil va pouvoir être capable aussi de lire les fichiers en DOCX, RTF, DAISY, MP3, WAV, donc beaucoup d'extensions. Voilà, donc c'est le câble qui va nous servir à ça. Voilà donc pour le déballage de cette boîte du Milestone 312 Ace. On va donc maintenant rentrer dans les détails de l'appareil, écouter un peu ses caractéristiques et voir ce qu'il peut nous apporter comme confort dans une journée. Voilà, maintenant on va montrer la compatibilité du Milestone 312 avec les deux systèmes d'exploitation qui sont le Mac et Windows. On va tout d'abord brancher le Milestone sur le Mac, mais on a virtualisé le système d'exploitation Windows 10. Donc dans un premier temps, lorsqu'on va brancher l'appareil sur son Mac, va apparaître une boîte de dialogue qui va nous demander sur quel système d'exploitation on veut travailler. Vous allez donc voir que le Milestone 312 Ace est entièrement compatible aux deux systèmes d'exploitation sans aucun souci. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va brancher l'appareil sur le Mac et voir ce qui se passe au niveau des bruits et au niveau des boîtes de dialogue. Mouvement fusion, dialogue, voilà, choisir donc l'emplacement de connexion de Bundink Milestone 312. Première fenêtre que vous avez ici en gros sur l'écran, on va donc lui demander mémoriser mon choix, connexion au Mac, connexion bouton. Au Mac. Vous appuyez connexion au Mac. Là va apparaître deux dossiers. Un qui est la mémoire externe, la carte SD qui est branchée au Milestone, et un second qui est la mémoire interne du Milestone qui s'appelle M312 ACE volume. L'autre dossier s'appelle un titre LED volume qui est notre carte SD. Si on vérifie ce qui se passe dans la mémoire interne du Milestone, on se dirige sur M312 ACE volume et on va l'ouvrir. Vous êtes actuel. On va l'ouvrir avec VO flèche bas. Ouvrir la sélection. Une fenêtre en gros pour les malvoyants s'ouvre au centre de votre écran. Qu'est-ce que l'on va avoir comme dossier interne dans le Milestone? Ici de suite, on va vérifier. Audible dossier. Config milestone.txt document format texte. Divers dossiers. Manuel M312S French.doc Microsoft Word 97-2004 document. Manuel M312S French.pdf portable document format PDF. Musique dossier. Numéro de téléphone dossier. Resume.fol document. Voilà donc. On a les manuels pour faire fonctionner notre Milestone 312 Ace en format PDF, format Word. On a le dossier pour la musique. Numéro musique dossier. Voilà ce qu'on trouve dans un appareil neuf lorsqu'on reçoit celui-ci chez soi. Ici, on va pouvoir donc rajouter des musiques, rajouter des dossiers si on le désire, créer des nouveaux dossiers. Et avoir même à ce moment, si on a l'option agenda en plus, avoir notre agenda dans cet emplacement. Je ferme. Maintenant dans. Et je reviens sur. Un titre LED volume. Un titre LED. Ouvrir la sélection. Ça veut dire que ici, j'ouvre ma fenêtre de la carte SD. Et comme je n'ai encore rien mis dedans, il y a juste un petit fichier audio où je me suis fait un petit test. M souligné 0001 pour MP3 audio MP3. Voilà donc ici on est sur le fichier MP3. Resume.fol document. Ce fichier je vais le supprimer. Placer dans la corbeille. Et voilà donc j'ai supprimé le dossier MP3 que j'avais enregistré. On a donc notre carte SD complètement vierge. Alors vous voyez la compatibilité du Milestone 312 Ace. Est complètement accessible au Mac puisque ici on est réellement
Mail, comme vous pouvez contact, calendrier, sur 6 sur 21. Fin. M312 ACE. Voilà. On va passer donc sur le système d'exploitation Windows pour vous montrer en même temps sa compatibilité. Éjecteur M300, un titre LED, volume, éjecteur un titre LED. Une fois donc qu'on a éjecté nos deux systèmes, on va aller sur le système d'exploitation Windows avec CTRL flèche droite. Voir fusion. Et on va donc maintenant brancher notre Milestone Ace. Voir fusion. Même question, mais cette fois-ci on va lui dire qu'on veut le connecter sur Windows. Mémoriser connexion au Mac, connexion à Windows, par défaut, bouton. On va donc entendre les deux bruits significatifs de Windows, comme quoi il a bien repéré un appareil en connexion. 106 sur 7. Voilà donc le fameux bruit significatif à Windows, comme quoi il a repéré le Milestone avec sa mémoire interne et sa mémoire externe. On va donc faire notre raccourci Windows E Explorateur. Pour aller dans l'explorateur. Donc comme vous voyez, on se dirige sur ce PC, on le valide. M312 SE, 10 sur 12 ligne 2 colonne 2. Alors comme on vient d'entendre, dans ce PC, on a bien notre Milestone 312 Ace qui apparaît. Je vous l'ai mis ici en gros sur l'écran. Je vais rentrer dedans et on va vérifier qu'est-ce qu'il nous donne comme élément. On aura donc les mêmes que sur le Mac. Audible 1 sur 9. Divers 2 sur 9. Musique 3 sur 9. Numéro de téléphone 4 sur 9. Tâche 5 sur 9. Confi Milestone 6 sur 9. Manual M312 S French.doc 7 sur 9. Manual M312 S French 8 sur 9. Resume.fol 9 sur 9. Alors comme vous voyez, on est sur le système d'exploitation Windows. La synthèse nous cite dans un autre ordre que sur le Mac, mais on est bien dans le Milestone 312. On va fermer avec Alt+4. Bureau liste. F, 11 sur 12 ligne 3 colonne. Alors, la carte SD du Milestone, elle, est nommée par Windows F. Si on rentre dedans, ici, entrée gros, je vous l'ai mis sur l'écran, entrée. Vue. Qu'est-ce que l'on va rencontrer à l'intérieur? Resume.fol 1 sur 1. Et on a bien notre fichier qui est resté seul, resume.fol. Vous voyez, la compatibilité Windows Mac du Milestone 312 Ace fonctionne parfaitement bien. On va pouvoir lui coller des musiques, des fichiers texte, RTF, en Word, DOC, DOCX, sans problème avec les deux systèmes. On va passer aux caractéristiques techniques de l'appareil. Une deuxième vidéo viendra pour rentrer dans les détails des paramètres et que vous puissiez entendre l'appareil en fonctionnement. C'est parti pour les caractéristiques techniques de l'appareil. On va sortir de la fenêtre avec Alt+4. Barre de tâche. Virgule 6. Et revenir sur Finder, bureau, Milestone, dossier. Alors vous voyez, on peut vraiment sans problème voir fusion sur Windows les deux Finder, bureau. Et se servir de notre Milestone sans aucun souci. Alors, les caractéristiques techniques du Milestone 312 Ace. Alors, il possède 12 Go de mémoire interne et peut supporter une carte SD jusqu'à 32 Go HC. Il a aussi un émetteur FM pour les systèmes de chaîne IFI. Donc, on va pouvoir envoyer le flux des radios sur un autre appareil. La radio est incluse. L'agenda est une option. Le speakout est une option. Il a les voix de chez Acapella haute qualité. Long, this is Heather, talking US English. Je suis Louise, votre voix canadienne française. Je suis Alice, votre voix française. Je suis Bruno, votre voix française. Je suis Claire, votre voix française. Je suis Julie, votre voix française. Voilà donc pour les voix d'a cappella de très haute qualité. Il fait donc enregistreur vocal, donc dictaphone.
lecteur DAISY, MP3, WAVE. Il a donc une facilité d'utilisation de 6 boutons. Son format est le format d'une carte de crédit, donc rentre très bien dans une poche de chemise. Il possède donc aussi un gyroscope, la connexion USB 2.0. Il est donc livré avec une carte SD de 8 Go, plus les 12, donc on a 20 Go d'utilisation. Sensibilité à la voix allant de 150 Hz jusqu'à 8 kHz. Et pour la musique, de 40 Hz à 20 kHz. Alors c'est une batterie au lithium rechargeable et le temps de charge est de moins de 3 heures. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La deuxième vidéo va venir sur l'intégralité des réglages, comment mettre des fichiers sur cet appareil, comment s'en servir. J'espère que vous serez présent pour la prochaine vidéo sur le Millestone 312 Ace. Je vous remercie beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis salut !